Donc alors, Joël est mort, Jesse est mort, Tom Vin est mort. Abby a fait Mais tu preuve l'aimes bien, on d'amendement. dirait. Elle a. T'as vu leur coiffure. Elle a cassé le cycle de la vengeance. C'est qui ce beau gosse, hein? Est-ce que ça va suffire pour Ellie? Dina! Dans la cuisine. Ah, coucou vous deux. Eh, merci pour la vaisselle. À vos ordres. Ça doit être sa sœur. Faut mieux pas courir avec le bébé. Donc là, j'ai pas l'impression qu'on soit dans la maison de Joël, il me semble pas. On met un peu de musique? Ah, t'aimes le boogie. Il y avait que ça. Ok. J'adore cette chanson. Il lui faut pas grand chose à ta maman. Je suis avec toi, donc je suis pas très difficile. Ok. Regarde, c'est déhanché. Tu veux dire ça? Ouais. Oh, regarde maman. Ouh. Oh. Salut toi. Ça me fait de l'effet, moi. T'es bizarre. Je sais, oui. Ok. Ok, arrête de me distraire. Oui, madame. Allez, c'est bon. Va-t'en. Ok. Oh, hé, hey, je crois que j'ai laissé au lit dehors. Tu veux bien aller le chercher? Ouais, bien sûr. Au lit, c'est qui? C'est le chien? Où il est? Je crois qu'il est sur le tracteur. Ma chère Dina, merci pour ta lettre et la photo. Gigi a tellement grandi. La même soirée que Jess. Je te souhaite une bonne chance et tiens de son père. J'ai hâte de vous rendre une visite. Mon dos refait des siennes et ça commence à aller mieux. Le docteur pense quand même que j'ai encore besoin de repos pendant quelques semaines. Dès que ça ira, je viendrai vous voir. Merci pour tes paroles réconfortantes. À ce de Maria. Je vais dire quelque chose qui est évident, j'espère. Justine ne t'en voudrait pas pour ce qui est arrivé, nous non plus. Nous t'aimons. Tu fais partie de notre famille. Portez-vous bien, toi, Justine. Gigi sera le bienvenu à Jackson si vous changez d'avis. Robin.
Tu veux aller prendre l'air? Ah. Donc là, ils sont plus à Jackson. Ah, c'est le doudou, c'est ça? Hé, hey, Oli, qu'est-ce que tu fais ici? Attends, bonhomme. Ouais, voilà. C'est joli, non? Hé, tu sais quoi? Un jour, je t'apprendrai à jouer de la guitare. Quand tes mains seront plus grandes. Et que t'arrêteras de faire caca dans tes couches. Ça fait rien. Tout le monde passe par là. Je pense qu'ils ont pas pu rentrer à Jackson à cause de la mort de Tommy. J'aurai un tas d'histoires à te raconter quand tu seras plus grand. Beaucoup plus grand. Je sais même pas par où commencer. Allez, petit gars, on va aller voir maman. Je vais étendre le linge dehors. Oh. Oh. Ça va aller? Ouais, c'est bon. Tu crois qu'il faut lui mettre sa veste? Oh non, ça va. Encore? Tu peux me dire d'arrêter? Tu veux que j'arrête? Ok, ça suffit. Sérieusement. Après, je me demande qu'est-ce qui pourrait bien détruire tout ça en fait. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Ah, mais c'est une ferme. Tu veux le caresser? Là. Voilà, c'est bon.
Oh, 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 doucement, doucement, doucement. Comme ça. Et voilà. Oui. Coucou. Hey. Je peux le prendre. Tu peux mettre les moutons dans la grange? Non, c'est bon, je peux m'occuper des deux. Vraiment? Ouais. Il faut que tu te reposes. D'accord, tiens. Voilà. Allez. Voilà, t'es bien là. Tarde pas trop, hein. Il doit prendre un bain. T'inquiète, je suis une pro du troupeau. Eh oh, les moutons! Le dîner est servi dans la grange. Allez, on rentre. Flocon, dans la grange. Daisy, allez, dépêche-toi. Oh, t'as vu un peu tous ces moutons? Il y en a combien, à ton avis? On va les compter. Un, deux... Bon, je m'endors, alors on arrête là. Eugène! Allez, hop, c'est l'heure de rentrer. Todd! Bon, c'est quand tu veux, hein. Ah. Oh, ça fait beaucoup trop de moutons, ça. Allez, à demain, les petits potes! Hé! Hey. Comment t'es sorti? Ah non, il est coincé. Allez, petit gars. Oh. Allez, sois gentil. T'as pas faim? D'accord. Viens là. Allez. Je suis désolée. Je sais pas ce qui... J'étais en train de... C'est cool. Tu sais, on commençait à s'ennuyer ici. Elle est encore hantée par la mort de Joël. Mais ça fait presque 2 ans, je crois, c'est ça?
Hé, hey, t'étais où? Je chassais. Ça m'a pris plus de temps que prévu. Qui est là? Oh, entre, tu... Sacré poigne, mon bonhomme. Tommy est vivant? Ah, te voilà. Attends, je vais le prendre. Viens là, mon grand. Voilà. Je t'aide. Non, ça va, merci. Salut. Salut. Contente de te voir. Moi aussi. Eh, il pèse son poids. Je sais, mais c'est rien que du muscle. Ça va en ville? Et Maria? Elle va bien. On a décidé de faire un break. Je suis désolée. Non. On en a beaucoup discuté. C'est ce qu'on voulait tous les deux. Ok. Assieds-toi. J'ai un truc à te montrer. Ça fait maintenant plusieurs mois que je mène mon enquête. Et j'ai trouvé un type qui a pu me renseigner. Il m'a parlé d'une femme qu'il aurait rencontrée quand il traversait la Californie. D'après lui, c'était une armoire à glace. Elle voyageait avec un gosse qui avait des cicatrices sur les joues. Il m'a dit qu'il vivait sur la côte, à bord d'un voilier. Juste ici. C'est forcément elle. On en a fini avec tout ça. Je suis désolée. C'est plus facile d'oublier. Maintenant que t'es bien installé ici, elle va le payer cher. Tommy. C'est ce que t'as dit quand on est rentré à Jackson. Tommy. Des conneries, ouais. Tu veux bien le prendre? Ouais. Tu nous fais quoi, là? Rien. Bordel, Tony. Tu sais ce qu'on a traversé. Arrête ça. Elle me l'avait juré. J'en ai rien à foutre. Ouais, je sais. Mais c'est bien ça, Peter Pan. Écoute-moi. J'y pense, y a pas d'électricité là-dedans.
Je déteste ces soirées. M'en parle pas. Ton vieux m'a passé un savon aujourd'hui. Il t'a dit quoi? J'ai eu droit à un serment sur les patrouilles. Faut pas aller là, là-bas non plus. En fait, il est comme ça chaque fois que tu vas sur le terrain. Ouais. Elle a l'air de bien s'amuser. Que dans 2 semaines, vous ressortirez ensemble. Ça risque pas. Elle t'a parlé de moi? Plutôt 1 semaine. Ellie! Salut! T'en as mis du temps? Mais je suis là, non? Dina? Jessie? Viens. Vous couchez pas trop tard, hein, parce que demain, on se lève tôt. À vos ordres! Sympa. Arrête. Commence pas avec ça. Ok, j'ai une question très importante à te poser. Est-ce que je sens mauvais? On dirait que t'as dormi dans une poubelle. Oh, ok. T'aimes ça? C'est dégueulasse. Ouais, t'aimes ça. Je suis une fille. Il y a aucun risque. Oh, Ellie. Ils auraient bien raison d'être jaloux de toi. Famille ici. Désolée. Vous savez que des gosses peuvent vous voir? Ouais, heureusement que t'es là pour nous montrer l'exemple. Génial, il nous manquait plus que ça. Une gouine avec une grande gueule. Qu'est-ce que tu viens de dire, Ellie? Ellie, arrête. Fous le camp d'ici. Je t'interdis de me toucher. Hey! Ça suffit. Allez, viens, on va faire un tour. Et eux alors? T'en occupe pas. T'as besoin d'un peu d'air frais. Tout va bien, Ellie. C'est quoi ton problème? Il avait pas le droit. Parce que toi, si. J'ai pas besoin de ton aide, Joël. D'accord. Salut. Salut. Eh ben, ça fait longtemps qu'il avait pas fait une nuit complète. Il a eu une dure journée. Ouais.
Il va bien. Allez, reviens te coucher. On reparle de tout ça demain, d'accord? J'ai pas le choix, je dois y aller. Non, c'est faux. Tu dois rien à Tommy. J'arrive plus à dormir. Je mange plus, je suis pas comme toi, Dina. Quoi? Tu t'imagines que c'est facile? Si je tiens le coup, c'est uniquement pour lui et pour toi aussi. Je t'aime, Dina. Prouve-le. Reste. C'est impossible. Alors quoi, je suis censée rester ici et attendre sagement ton retour? Passer des semaines, des mois, des années à me demander si t'es encore en vie? J'ai pas prévu de mourir. Ah ouais? Bah va dire ça à Jessie. Ou à Joël. Attends, arrête, attends. Reste, je t'en supplie. On a une famille. Abby a pas le droit d'être plus importante que nous. Non. Je refuse de revivre ça. À toi de voir.